Donc, tout peut arriver et nous capables, ouais, mais il y a des médias qui publient, La Voix de l'Amérique, tout, publier les messieurs quitter Nairobi, quitter Kenya, et ils étaient à bord avion, ils étaient capables d'avoir un avion, qui prend photo. Mais c'est avec une joie que nous voyons monsieur débarquer, et nous voyons monsieur dans l'avion, là, ils débarquaient avec drapeau pays Kenya, et ils chantaient tout, dans ils sont arrivés à l'aéroport. Donc, c'est un premier contingent, ça veut dire un premier groupe qui vini, et le nombre là c'était 400, et nous étions capables de voir le président Kenya, et William Ruto, qui lui-même t'a rencontré monsieur avant que yo quitté Kenya pour yo rentrer en Haïti dans le cadre de mission yo dans le pays d'Haïti. Donc, l'arrivée dans l'aéroport, après ça, bon, journaliste pas de accès que journaliste pas de gain. Mais monsieur yo ou bien troupe yo même qu'on y a allé nan et base côté que yo quitté pour yo a. Et pourquoi gen on déclaration gros déclaration qui fait concernant ça nous même n'a pas essayé joindre et ça pour nous donc c'est comme sa situation y a gagné et plusieurs déclarations qui fait par exemple gagné Matthew Miller qui c'est porte-parole département d'État américain qui dit c'est un premier parmi plusieurs étapes importantes pour rétablir sécurité et prospérité dans le pays d'Haïti. Et M. Miller dit mission historique que Haïti t'a mandé et que Conseil de sécurité de l'ONU t'a autorisé, et bien vraiment, c'est un effort international. C'est une façon pour le dire que ce n'est pas seulement Kenya, même si Kenya est en tête, li, mais il y a l'autre pays qui a poté collé. Nous connaissons Kenya, lui-même, il t'a proposé 1 000 policiers, mais en attendant que l'on voit 400 d'après chiffres. Et M. Miller continue pour le dire, nous espérons ouais, amélioration mesurable vis-à-vis sécurité, surtout par rapport à accès et à assistance humanitaire à activité économique essentielle. Ça pourra aider Kenya et aider créer conditions à sécurité nécessaires pour élections libres, honnêtes et démocratiques faites dans l'avenir. Donc ça c'est parole Matthew Miller qui c'est porte-parole département d'État ici aux États-Unis. Donc c'est réaction le l'été confirmé pour et pour nous que eh ben et troupes kenyanes ont vraiment quitté Kenya pour entrer dans le pays d'Haïti. Donc c'est une situation qui est très spéciale parce que dans le moment où Kenya et vos troupes eh ben tête chargée dans le pays Kenya. Tête chargée depuis quelques jours côté que y a un paquet de manifestants un peu partout dans Kenya qui a protesté contre une loi sous budget. Et là-dedans, il y a plus jeune, et monsieur le président Kenya, lui-même, William Ruto, il était participé dans une cérémonie religieuse, il parlait, et lui-même, il dit que il félicitait les jeunes, parce que il voit que les jeunes ont une pile fougue, ils ont une pile énergie, et il bat bravo pour ça. Mais en attendant, ces manifestations anti-gouvernementales, j'avais dit contre président William Ruto. Et président Ruto lui-même, bon, l'a fait le jeu de la communication, côté que, eh ben, il n'a pas ignoré ça qu'a fait là, côté que, il même félicité de ce que yo gen en pile énergie. Et je dis à Bagala, Mangome, il y a 5 moun qui mouri, il y a plus passé une trentaine de moun qui blessé, côté que manifestants, yo rentré avec fracas, et yo met du feu, non, yo rentré dans le Parlement, donc yo fait, tête chargée, donc en attendant, eh ben, bilan, c'est, jusqu'à présent, eh ben c'est 5 moun qui mourent et une trentaine de l'autre blessés. Il y a un chiffre qui baille 31 moun qui t'a blessé. Donc, c'est pratiquement situation entre Kenya. Kenya a dominé l'actualité. Hein. Premier contingent, arrivé dans Port-au-Prince, et dans l'aéroport Toussaint-Louverture là. Et il y a déjà Kenya pral établi, pral prendre logement dans base qui était que t'es aménagé pour yoa et c'est comme ça d'après correspondant nous sur place qui fait nous connaître ça et puis pendant ce temps dans le pays Kenya même dans base là au Kenya et ben pas seulement dans Nairobi nous dit Nairobi parce que c'est là gagner des institutions régaliennes notamment le Parlement et ben nous dit ça mais c'est pas seulement dans Nairobi c'est plusieurs côtés dans la capitale à côté que ils ont entré dans le Parlement dans un moment que parlementaire t'a discuté sous loi budget ça et ça au mandé eux-mêmes manifestaient au mandé pour rentrer loi budget loi sous finance ça que gouvernement ou toi mettez dehors. Donc en attendant pour le moment c'est ça nous gagnons comme
information et sous question force multinationale pour appui sécurité dans pays d'Haïti et ben qui commençait avec premier contingent ça. L'autre fait nous capable signaler, ben regarder score match ça toujours. Match a toujours 1-0 bon côté Autriche avec Pays-Bas, Autriche qui 1-0 sous la Hollande et puis 0-0 entre la France avec la Pologne. On retourne encore dans l'actualité à que nous t'es capable ça nous capable signaler pour c'est que et vendredi cap vin là c'est pral 27 juin 2024 et pral gagner et premier débat dans cadre élection présidentielle qui gagne pour dérouler 5 novembre cap vin là ou bien 5 novembre 2024 là. Eh ben, jeudi, pour aller premier débat entre ancien président républicain Donald Trump et président actuel, la président démocrate Joe Biden, et grand pile gros sujet déjà, qui est déjà paraître dans l'actualité, notamment question avortement, notamment question politique internationale et par rapport à financement, soutien et pour Ukraine et pour Israël. Tout ça pral nan, et puis sans oublier question immigration. Donc, et rendez-vous, c'est vendredi qui pral 27 juin pour gros débat entre deux représentants, deux principales partis pays, en parlant de parti démocrate là et parti républicain. Et puis, yon l'autre gros nouvelle encore, c'est fondateur Wikileaks là, en parlant de Julian Assange, qui lui-même conclut un accord avec le gouvernement américain et côté que le pral plaide coupable pour ça il était reproché là. Et faut dire Julian Assange il était reproché d'est-ce que il était exposé au grand jour de documents qu'il doit cacher bien caché et ben monsieur était exposé au grand jour depuis 2010 et puis il a gagné 700 000 documents confidentiels que qui a rapport avec activité militaire et diplomatique américaine notamment en Afghanistan, en Irak. Donc, monsieur mettait tout bagay sa yo au grand jour. Donc, c'est ça qui fait que, eh ben, yo tap, américain tap poursuivi pour ta même et fait entrer aux États-Unis. Mais qu'on y a là, nan moment n'a pas là, eh ben, ça crive, c'est que, monsieur fait on deal avec gouvernement américain, côté que le pral plaide, lui-même l'a plaide coupable, et que qu'on y a, li pral gain pour aller devant le tribunal, et normalement, t'as supposé condamner à 62 mois prison, et 62 mois prison, c'est que M. Tab toujours une liberté pour le retourner en Australie. Nous connaissons son natif natal, pays Australie. Donc, M. Tab capable lui-même retourner en Australie. Il finit payer parce que 62 mois, il passe déjà dans la prison. Et que, donc, il tape vin et pratiquement libre. Il y a une pile réaction qui fait sur ça, notamment et avocat là, qui est le français, je vais prononcer bien, français info. Antoine Veil, ben me répéter encore, français faux, Antoine Veil, qui c'est avocat Julian Assange, qui dit que, eh ben, quel que soit Jean Saïe, que monsieur plaide coupable ou pas, eh ben, le fait que le bras joue liberté, c'est ça qui est plus important pour lui, et il dit que client n'a qu'on a capable de lire livre que le voulait, il est capable de manger que le voulait, il est capable de dormir, Jean le voulait, donc pour eux, c'est une grosse victoire. Donc pratiquement, monsieur a plaidé coupable avec la justice américaine et l'a joué de liberté et après, il passait 5 ans en détention provisoire dans le Royaume-Uni. Donc c'est une grosse nouvelle qui gagne pour dans l'activité internationale. Et puis, gagne États-Unis qui a parlé de l'autre enveloppe 150 millions de dollars pour Ukraine, pour continuer goumer avec et pour réagir ou bien par rapport à l'invasion pays la Russie. Et puis dans la région Moyen-Orient, c'est toujours même inquiétude ça que autorité européenne et autorité américaine ont gagné pour vraiment que Liban pas tourner yon deuxième et Gaza parce que l'armée Israël a mené des combats sur plusieurs fronts, notamment Gaza. Notamment, il y a Rafal, dit pour Ratiboise Rafal, et puis tout le Liban, en parlant de l'Apgoumé avec M. Hezbollah. Donc, autorité américaine, autorité européenne, ils ont même dit que n'ont pas terminé un deuxième Gaza. Et nous étions dernièrement là, tu as le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui lui-même a fait la même déclaration, il dit que n'ont pas terminé un deuxième
Gaza encore dans même région et c'est crainte en pile et autorité pour pas gagner une escalade violence et ben dans région. Et match a toujours match France et Pologne a toujours 0-0 dans 44e minute de jeu et puis la Hollande contre Autriche et Autriche toujours a mené 1-0 et donc match a c'est consacré lié et faut dire que et la France même les on tient presque bien chita parce que déjà il déjà qualifié. Donc en gros c'est ça nous gagne pour comme information. Et donc, pas oublier, premier, plus gros information, par exemple, pour le pays d'Haïti, c'est définitivement, c'est tout pays Kenya, yo, premier contingent qui arrivait dans le pays d'Haïti matin, là, vers 9h. Pas bon, occupé. Papa est premier là. Donc ils sont des gars qui ont problème qui sont là. Mais moi-même tout bas, mais pas bon. Bon, si ils sont pas bons, on va continuer. Donc monsieur que nous disons que s'ils sont bons ou pas, on va continuer. Si nous battons des miens, on va continuer. Donc même bagarre, on va faire là contre son connaissance, son problème technique lié, on va contre celui. Donc fais-moi connaître s'ils sont bons. Et il dit oui. Ok. Et tout le monde dit oui. C'est que je regarde avec Kounia. Mais l'actualité est assez justement. Et ça, les congrès ou bien encore les rencontres que le Premier ministre a gagné, c'est une sorte de réunion et que le Premier ministre a gagné avec le membre gouvernement, une réunion 4 jours, pour de discuter, consignes, ça que le membre gouvernement a fait et qui s'est attendu. Ça, c'est ça, les feuilles de route. Que le Premier ministre pour aller exécuter, qu'on a pu dire qu'il s'est attendu dans le jour qui venir, etc. Donc, rencontre ça a été déroulée vendredi et samedi. Donc, il y a un bail, ça veut dire qu'on a les bols en mer avec eux. Et qu'on a un hôtel qui est bol en mer. Donc, pour ça, il n'y a pas de cas aller, bon, pour raison de sécurité. Donc, le Premier ministre a eu un problème de sécurité et tout. Donc, il y a parlé de questions de monde qui n'a pas arrivé au travail. Donc, il y a un appel qui a pensé pour dire que l'autorité a bien réfléchi. Il a parlé de gens qui n'ont pas venu travailler. Il y a des gens qui n'ont pas venu travailler, tout simplement. Ce n'est pas pour nous exprès le faire, c'est parce que tout simplement, il y a un cas liban qui envahit car là ou bien c'est insécurité dans la zone. Il fait que le cas, il y a un autre cas. C'est côté mon a travaillé là même qui gagne sécurité par exemple un monde qui travaille dans le bureau premier ministre dans la zone bicentenaire monde qui travaille chez les ministères qui ont même pas même existé encore parce que insécurité dans la zone fait que et ou bien encore mon occupé local là etc. Donc donc il y a un monde qui a pris appel pour dire il faut que les responsables prennent plus de précautions là pas de monde qui pas venir travailler ou bien après le absentéisme. Il y a des absentéistes volontaires, tout, il y a des absentéistes, c'est pas exprès. Il est probable qu'il y ait des gens qui ne parlent pas le travail, alors que les gens sont dans le pays étranger. Ou bien l'île là, dans le pays, ils ne parlent pas le travail, alors que les conditions de sécurité, il y a des gens qui ont oublié de quitter la caillou, qui retournent dans le pays, d'ailleurs, qui sont dans la ville natale, parce que le problème d'insécurité, c'est tellement grave pour lui, il n'y a pas qu'à bailler, il n'y a pas qu'à risquer la ville. Il y a des gens qui sont allés, il n'y a pas qu'à aller, tout simplement pour le problème d'insécurité. Donc, on n'a pas de problème qui pourrait résoudre. L'autre question, c'est la question tout Kenya. En fait, nouvelle qui se tient dans Nairobi, fait qu'on est que d'abord que l'autorité a nommé un nouveau commandant pour mission même qui parle en Haïti. Et d'après toute nouvelle qui se tient dans Nairobi, eh bien, Tadoué gagné, Tadoué mission ça, Tadoué quitter Kenya demain. Donc, dès demain, il a commencé à arriver en Haïti.
Donc c'est ça qui dit, mais étant donné qu'il y a toujours renvoi qui a pris des fêtes, soit rémission, donc il y a un peu de difficulté, le monde pas fini quoi que vérité. Mais il semble que fois ça, c'est tout bon vrai. Et en fait, c'est une décision qui prend tour après dernière annonce que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait récemment pour contourner le Congrès. Nous avons le Congrès et surtout les républicains ont bloqué et assistance ou bien l'argent que j'ai pu bailler pour mission 1. Et bien, dernièrement, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé que le département d'État lui-même a bailler plus de 100 millions de dollars pour mission ça. Le Canada qui est déjà apporté, la France a bailler, l'autre pays qui est censé bailler, et le pays tout qui a contribué à la mission. Donc, ça veut dire qu'au moins comme ça que le département d'État bailler, qui est en garantie, c'est peut-être moyen qui motive l'autorité kenyane pour mission démarrer. Donc selon tout ça qu'il dit, eh bien, mission t'a dû et arriver en Haïti à partir de demain. Donc son mission t'a privé graduellement, c'est-à-dire que c'est pas tout groupe là qui a privé, c'est pas groupe qui a privé, sont plus établis et puis il y a tout équipement que les assemblées qui n'ont pas besoin pour travailler là qu'on va faire, et bien équipement ça va être tout sur place. N'attend seulement simplement. Donc les conditions, la police nationale a gagné actuellement un nouveau directeur, c'est Normand Rameau, qui retourne dans le poste encore. Donc M. Saï depuis samedi. Et M. est participé ensemble avec le premier ministre dans le premier standard et premier réunion au niveau et au niveau conseil police nationale là, ensemble avec le ministre de Justice là, donc je suis président, donc seulement il y a un problème question. Sécurité a été discutée dans la rencontre ça et qui est capable de faire Haïti reprendre le droit encore, c'est-à-dire que pour l'État de droit retourner, pour que l'autorité reprenne le droit encore, c'est-à-dire que Haïti peut être l'autorité légitime et légitime, donc ça veut dire besoin de reprendre le bazar. Donc c'est autant de questions qu'à bail, et puis voilà. Et nous en fin mois de juin, donc mission 1. Que le Conseil de sécurité nationale a voté pour le débarquement dans un an, ben, pratiquement, ça a pris fin dans à peu près une semaine, dans le commencement du mois de juillet. Donc, il y a une question à poser, est-ce que les Nations Unies, après, elles voté pour bailler mission, pour prolonger mission, ballon l'autre année encore, parce que l'EF a été fait là, entre temps, un paquet de bail qui passait, mission par exemple, qui a pris un pivot, mission par exemple, qui a lancé tout, il y a une question pour te signer un document, pour te signer au point de vue légal, etc., tout bas, ça peut être fait. Finalement, ça a fait Kenya, autorité haïtienne a visité Kenya, et Kenya a été voir une mission fact-finding, c'est-à-dire une mission de reconnaissance en Haïti. Et puis, vendredi, l'autorité haïtienne s'est représentée à Haïti dans l'OEA, qui signe avec l'ambassade de Kenya en Haïti, aussi un document, qui est probablement le dernier document de signe, mais ça a été fait vendredi, dans Washington. Donc, vous avez l'ouvrir pratiquement, tout le bas, tout handicap qui est nécessaire, tout handicap ça, il est censé passer. En tout cas, je dis à moi, je parle surtout de questions et élections. Élection aux États-Unis, et d'abord, il y a un premier débat, une série de débats qui vous fait. Et c'est le premier qui a fait. Et c'est pas jeudi, et entre président sortant, on a parlé que Joe Biden avec ancien président américain et Donald Trump, sous ancien président Donald Trump qui débat ça, mais. Et son débat en pile, on n'a pas attendu, il y a en pile question capable de figurer dans le débat ça, question immigration, question par exemple condamnation que le président Donald Trump s'est condamné récemment dans New York à cause de l'argent qui a une fille que le gars a fait avec elle, et bien pour te acheter silence, fait ça, et bien le tribunal a été joué, le jury a été joué qu'il était coupable de 34 chefs d'accusation, eh bien, il y a une question à poser, est-ce que la question ça doit faire partie du débat ou bien est-ce que le président Biden doit utiliser ça pour faire partie du débat pour la patate. En tout cas, l'ancien président qui a participé dans un meeting de masse dans Philadelphie pendant le week-end, eh bien, il dit que le bras en appel avec question ça lui-même. C'est bon, question pour encore discussion. Mais il fait public là qu'on est que position le tout sous dossier immigration. Il dit que le premier jour que il finit remporter l'élection, le premier jour, il finit
prêté serment, et bien, première action la poser, c'est commencer, ça va être une opération déportation. Tout le monde qui vit aux États-Unis illégalement. Donc, l'idée à dire déjà, et il n'y a pas un cas de sentiment pour le dire, parce que dire une démocratie responsable, situation de sécurité qui se font. En fait, il n'y a pas de parole. M. Mitch, qui est lui-même, qui est un vice-président de campagne pour réélection du président Biden avec Kamala Harris, là, et bien, il dit dans la chaîne de télévision NBC, Mythe de presse, et bien, il dit que le problème frontière a existé depuis longtemps, c'est pas eux-mêmes. Le président a existé depuis 20 à 30 ans, et la première action que le président Biden a fait en 2021, après il a fini prêté serment comme président, et bien, la première action qui a été posée, c'était voyer un projet de loi. Sous réforme immigratoire, mais il dit que le projet de loi, le président et la République étaient prêts de la gueule dans la poubelle, donc il n'y a pas de faire rien avec, donc il n'y a pas de prendre les responsables, je veux dire, parce que il n'y a pas de nécessité pour qu'il y ait une réforme qui fait. C'est vrai, il dit tout que la République eux-mêmes, en tant que, ils ont déjà fait ça, puis ils ont fait déjà, le président Biden a pris deux décrets d'abord pour limiter la quantité d'immigrants qui viennent demander asile sur frontière, sous entrée de façon légale. Et il prend l'autre décret qui est pour légaliser immigrants qui vivent aux États-Unis depuis 10 ans pour Bibiti, qui vivent illégalement aux États-Unis depuis 10 ans et qui marient avec un Américain, mais sont capables de légaliser ça, tout, sans pas besoin de retourner dans le pays. Donc ces deux gros actions étaient probablement. Il y a l'autre action encore que le président Biden a posé dans le jour qui vient là-haut, ou bien dans le jour qui vient là-haut, pas oublier nous dans la période électorale. Et c'était même vendredi à tout, le président Biden a annoncé tout, et statut de protection temporaire pour 5 pays, et pour Salvador, et Népal, mais il y a un peu de monde qui a dit oui, mais Haïti pas là-dedans. Dossier Haïti a censé. Petit pièce pour Haïti a fini pratiquement le 3 août. Donc, ça veut dire que fenêtre 60 jours que le président a gagné pour prendre une décision sur le dossier Haïti, nous toujours dans la fenêtre ça. Donc, en nous temps, pour nous quelle décision qu'elle prend. Mais entre temps, militants, c'est tout le monde qui a défendu les migrants, et bien, même eux qui ont travaillé avec l'administration pour essayer d'être capable, non seulement renouveler petit pièce pour Haïtiens qui sont dans le pays longtemps, mais tout redessiner Haïti pour. TPS, tout ça, c'est Haïti. En dehors, il y a quand même un côté côté même, parce que nous connaissons d'après le rapport des Nations Unies même, et d'après l'autre rapport organisation internationale, gang contrôlé, il était parlé, les Nations Unies étaient parlé de 80%, mais les plus que 80% qu'on y a, et qu'on y a un texte qui a sorti, il dit que il a presque contrôlé toute capitale. Ceci dit que, yo pa gen gouvernement pa gen les coups de franche, il pas capable n'importe qui côté. Donc c'était yon gros causé semaine ça et Konya c'est vérité sous tabou, équipe Gary Conil là li monté sous pouvoir et ont commencé à prendre des décisions et Konya équipe intérimaire là aller Konya a fait place pour équipe et Gary Conil avec nous connaît que gagne 18 ministères, gen 14 ministères, 14 ministres, gen 10 filles avec 10 garçons avec 4 filles, mais gen l'autre nomination encore qui fait, gen pile l'autre surprise qui fait dans question nomination. Donc c'est ça la politique à la mode de chez nous et gagner l'autre nomination qui fait encore n'a pas su. Bon ça n'est capable signaler c'est que hier Premier ministre Gary Conil a participé dans une séance de travail par rapport à la saison cyclonique là qui commençait depuis le 1er juin qui s'est passé là. Donc, Dr. Gary Conil a pris avec l'équipe, non seulement l'équipe gouvernementale, mais toute organisation qui est attachée à la question de secours, désastre, secours et autres. Puis, ouais, est-ce que si le pays est frappé par un cyclone ou une catastrophe naturelle, est-ce que nous répondons pour nous capables de faire face à lui-même? Donc, c'est en gros. Et ça, Dr. Gary Conil a participé là-dedans hier après-midi. Et là, bon, reportage plus devant sous question ça. On nous parlait de l'actualité internationale là, gros événement dans la semaine. Et bon, gros événement qui est très particulier, qui c'est Washington. Washington a été accueilli et ancien président républicain. Donald Trump qui était paraît dans le Capitole là, eh ben, c'est la première fois qu'il retourne dans le Capitole là après gros déblosage. Ça, en plus, le monde, l'insurrection qui était faite
dans le moment que vous avez confirmé la victoire de Joe Biden dans l'élection 2021, eh bien, 6 janvier 2021, tu as un déblosage qui était fait. Et jusqu'à présent, c'est une question que l'Amérique peut fin digérer. L'Amérique a vivre toujours parce qu'elle est toujours dans le tribunal, toujours une discussion qui a fait sous lui, et on rappelle souvent. Et nous voyons que l'ancien président Donald Trump est paraît dans Capitol Hill, là, dans le palais de congrès américain. Eh bien, ça, objectif, c'était une invitation qu'elle te recevoir et au tapra républicain, yo qu'on y a étudié stratégie. Non seulement pour reprendre la Maison Blanche, ça veut dire que dans l'élection novembre 2024, là, pour Donald Trump, qui t'a pratiquement, ou capable de représenter et parti républicain dans l'élection, ça y est, eh bien, pour reprendre le pouvoir et pour consolider force en dedans et congrès américain. Donc, et grand pile stratégie, grand pile causé qui parle, grand pile l'homme qui bat, bah, grand pile rappel tout qui fait. Parce que y a des gens qui ont une position X et je dis à une position Z. Donc, les journalistes eux-mêmes dans le travail, ils ont rappelé ça. Donc, c'était un grand moment et c'était un élément fort dans l'actualité aux États-Unis. Côté, nous avons gentil Augustin Junior qui était lui-même sous place pour te faire nous vivre. Et causer cela, donc c'était avant-hier après-midi. Et puis, gros nouvelle là, c'est G7 là, c'est une grosse réunion qui fait dans Apulia, dans zone, dans tout près en ville, les Barry, mais c'est un resort, d'un côté que luxueux, gros bagaille. Eh bien, pays, sept pays qui sont plus industrialisés dans le monde, eh bien, ils étaient là, ils ont un pile invité spécial. Dans l'occasion G7 ça et invité spécial au premièrement c'est pape François qui était là. C'est première fois on pape et a participé dans une réunion comme ça. Bon, nous imaginez nous que la fête en Italie et ça nous capable t'es capable ouais en dans sommet ça. Et ben nous t'es capable ouais que tout leader G7 ont gagné un yeux fixé premièrement sur les deux guerres. Et on a parlé de guerre et invasion de la Russie dans le pays Ukraine et puis guerre Israël-Hamas. L'autre point encore, c'est la Russie. La Russie, il dit que l'invasion fait dans le pays et Ukraine et puis gagner et Volodymyr Zelensky, président ukrainien, qui était un invité spécial. Il rencontre avec un pile monde dans des rencontres bilatérales, notamment ici un accord de sécurité avec Joe Biden, président américain. Il rencontre tout avec Pape François et il parle, il discute et après réunion, Zelensky dit que il est content de discuter avec chef l'Église catholique là, notamment il a discuté sous invasion la Russie. Dans le pays Ukraine, ils ont discuté sur salaire les terroristes aériens, ça veut dire offensive aérienne que la Russie a fait dans le pays Ukraine. Et puis tout, ils ont parlé tout de et sommet qu'a fait Konya là, un sommet ça le sommet la paix qu'a fait dans le pays la Suisse. Faut dire que Volodymyr Zelensky déjà dans le pays la Suisse côté que là il participé dans le sommet. Gagne un autre élément très important qui était dans mi-temps yo. Et c'est question de la Chine. Yo, non seulement yo critiqué la Chine d'est-ce que l'a soutenu la Russie dans l'invasion, dans l'invasion que l'a fait dans le pays Ukraine, mais yo critiqué la Russie de la Chine plutôt d'est-ce que l'a utilisé exportation que qui fait, il pas fait dans les normes, il pas respecté éthique internationale yo, et tout leader G7 yo même yo gen yeux fixé sur deux pays ça, la Chine comme un pays qui a fait transaction commerciale mondiale dans non-respect des normes, et puis avec la Russie tout, yo même que yo estimé qu'il a fait une invasion. Et yo même saisi, bien yo et 50 milliards de dollars que y a bail la Russie vont gagner en tente qui fait sous ça pendant le sommet G7. Mais pendant le sommet G7 là tout, gagner Jodia et Pape François qui prend la parole. Pape François prend la parole côté que lui mandé pour contrôler question intelligence artificielle et pour yo il dit en conflit.